Alors, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Ok, vous devez nous entendre normalement. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et j'ai oublié de faire le chat, bien sûr, j'ai oublié de prendre. Super, merci Robin, tu es un youtubeur professionnel. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que tout le monde va bien quand même. Aujourd'hui, on va faire un lancement de fusée, on va faire un lancement. Proton pour une nouvelle, un nouveau module qui devrait arriver sur l'ISS. Donc il s'appelle Noka. Un Voilà. module immense en plus, un module capital, je pense qu'on peut le dire. La taille de Paris, vraiment. Il est démesuré, hein. Oui. Alors, Une 6 Renault Clio à peu près. clac, clac, j'espère que. Il n'y a pas trop de monde sur le chat, comme ça, je n'ai pas loupé trop de messages. Visiblement, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même. J'ai l'impression qu'il y a totalement personne. C'est plutôt triste. Après, mon ping est désastreux, donc C'est pas je te très fais grave. confiance pour le chat, on va dire. Ok, c'est bon, le chat est mis. Bah écoutez, voilà, on va se siroter un petit cocktail en attendant que tout le monde arrive, que vraiment il y ait plus de monde. Parce qu'il n'y a personne, frère. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le lancement il est à 16h58, donc c'est dans une petite demi-heure. On va basculer petit à petit sur le live, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que tu as passé une bonne journée, Yataka? Est-ce que tu attendais ce lancement avec impatience? Ça va, bof. Bof? Ah, pourquoi donc Ah, bof? effectivement, c'est un peu le lancement du mois, hein. Oui, c'est un lancement très très important hein, pour l'ISS, qui va accueillir un nouveau module. D'ailleurs, il faut savoir Oh, que c'est tout. spécial. Et ouais, tout à l'heure, ils ont déplacé la crew Dragon pour La accueillir Crew Dragon. le nouveau Noka. Nouveau module. Pour la prochaine mission Dragon. Mais le module, c'est pas en rapport avec la Dragon. C'est pas un rapport Même avec la si Dragon, effectivement il y a d'accord. une histoire de. Même si effectivement il y a un problème avec le module, c'est que il devait être lancé en 2007. Une époque où peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2007 et 2021, il y a un nouveau module, le module Pierce, qui a été rajouté là où Noka aurait dû être mis. Du coup, si le lancement est une réussite, on devrait retirer et désorbiter le module Pierce, et Noka viendra se docker automatiquement et remplacera ce bon vieux Pierce. Et Pierce, il a été installé quand? Est-ce que tu saurais ça? Il a été installé peut-être en 2010, un truc dans ce genre, non? C'est un des plus vieux modules de la station. Ah d'accord, donc ouais, vraiment beaucoup Ah plus non, tard. enfin, il est vraiment vieux, c'est vraiment l'un des plus vieux de la station. Parce que de base, en fait, Noka devait être un module de backup dans l'hypothèse. Où le lancement de Zvezda, qui est un petit peu le module russe principal, était un échec. D'accord, Et ok. du coup, Pierce, c'était un module qui servait principalement au stockage, et il y avait aussi un sas pour que les cosmonautes puissent faire des sorties dans l'espace. Ouais. Et il y avait aussi un port de dock pour que les cargos Progress puissent se docker à la station. D'accord. Le débit actuel du flux audio est de 0. Comment ça, le débit audio est de 0? Non, Ça veut c'est bon. dire? Ça veut dire qu'on nous entend quand même. Vous nous entendez bien sur le chat. Salut Antoine, j'espère. Pour que les cargos. Ok, oui, on nous entend bien, c'est bon. C'est bon. Yo Antoine! Bonjour le groupe. Alors, petit groupe, hein, puisque aujourd'hui je suis qu'avec Yataka. Je ne suis pas avec Mon la ping n'est référence pas Asso. formidable, mais bon. Bon, le ping, ça va, franchement. En tout cas, moi je t'entends couper. Ah, tu m'entends Donc moi, si tu couper. m'entends bien, tant mieux. Moi, je t'entends super bien, en Ouais. tout cas. C'est peut-être mon ping, si ça se trouve. Ok. Non, ça devrait pas être trop mon Je ne ping. sais pas. 60 millisecondes, ça devrait aller. Ah, quand même. Je fais plutôt bien. Donc ouais, aujourd'hui Noka donc lancé par une Proton
Une fusée qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment maintenant, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Proton Un se petit lancer. moment. Je ne sais même pas s'il y avait eu un vol cette année. Pas dans mes Je crois qu'il y souvenirs, avait eu j'ai un pas vu vol de Proton cette année, pas, pas de Proton, en tout cas, j'ai mais vu du peut-être genre un Soyouz. quoi. J'ai vu du Soyouz, mais j'ai pas vu de Ah, il y a Proton. eu du Soyuz, ça c'était sympa. Ouais. Proton, donc premier vol de l'année 2021, peut-être, il me semble. C'est une très très belle fusée qui a connu un bel échec. Ah oui, incroyable. Un échec qui était Moins en, re incroyable. en relation avec un gimbal qui était inversé. Enfin, ils avaient inversé des câbles. Et du coup, bah, la fusée s'est retrouvée tête à l'envers. Elle décollait, mais vers le sol. C'était un missile air-sol. C'était quelque chose. Hein. Ce qui est peu recommandé. Bah, pour lancer une charge utile, un missile sol-sol, c'est pas dingue. Hein. Tu fais un cratère, bon. On est en orbite très 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 Une basse là. piscine après dedans. Voilà, donc on va avoir le live de l'ESA, on va avoir aussi le live du Roscosmos, donc un live russe et Ouais, un je pense que live d'ailleurs tu peux anglais. peut-être Ouais, on va bientôt l'afficher, là je vais l'afficher d'ici quelques européen secondes. globalement. Donc à faire, ouais, je peux le faire limite maintenant. Hop, alors là forcément vous voyez tous mes onglets. Voilà. Et normalement, on devrait Énorme. avoir ça. Donc Noka qui sera donc un module russe qui est Qui est bon, sûrement mec. Oui, qui est quand même assez ancien puisqu'il devait être lancé en 2007, mais il y avait eu des problèmes au niveau des réservoirs, d'autres composants. Et super intéressant, c'est qu'il devait aussi lancer le bras télécommandé européen qui était prêt depuis 2006. Genre le bras, rien que le bras, il est plus vieux que moi, ce qui est énorme. Donc les Européens, ils avaient signé un contrat pour qu'il soit lancé en même temps que Nauka. On aurait pu avoir trois bras sur l'ISS, mais à cause du retard de Nauka, du coup, on n'en a que deux pour l'instant. Et pendant une bonne partie de la vie de l'ISS, ça c'est sad. Ouais. Le module sera un laboratoire d'ailleurs. D'accord, ok. Donc là où il va y avoir des expériences probablement sur la faune, la flore, le corps humain, ce genre de choses. Donc on est à 23 minutes 30 Notamment, il en va y avoir seconde. un sas. Un sas. Notamment, il va aussi avoir un sas pour mettre des expériences dans l'espace. Donc, ce sera pas pour les astronautes, mais ce sera pour exposer des expériences scientifiques au vide. Ok. Plutôt sympa. D'accord, ouais, c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a un module qui fait ça aussi dans l'ISS qui expose des charges Ouais, il y en a même scientifiques plusieurs. dans l'espace. Il y en a un européen, un japonais, un américain, mais je crois que les Russes n'en avaient pas. Donc, justement, maintenant, c'est comblé. Ça y est, c'est fait. Enfin, c'est fait. Encore faut-il que la fusée n'explose pas en vol, hein? Bon, il faut que le lancement se passe bien, quoi. Voilà. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir trop de risques. Mais La bon, je pense Proton qu'on est peut quand faire un même une minimum fusée assez confiance en fiable. Proton. Je pense qu'on peut faire un minimum confiance en Proton, quoi. Oui, Proton, c'est une fusée plutôt fiable. Voilà. Bon, après, il y a eu quelques beaux accidents. C'est vrai qu'il y a eu des Beau. accidents spectaculaires, hein, mais de manière générale, c'est une fusée quand même qui est très, très fiable. Voilà. Elle est équipée de plusieurs moteurs, hein. On en a vu 6, je crois. Il y en a Ouais, 6 6. moteurs au premier étage qui brûlent. Qui brûle. Pardon, j'ai bugué parce que je t'entendais bugger. Oui, qui brûlent un mélange du coup de diméthylhydrazine et de peroxyde d'azote. Alors, c'est des ergols qui sont très efficaces et qui sont plutôt pratiques parce qu'ils sont tous les deux à température ambiante. Sauf qu'ils sont cancérigènes et extrêmement inflammables. Donc, quand il y a un échec, c'est pas dingue pour ceux qui habitent autour. Enfin, même s'il n'y a pas grand monde qui habite autour. Oui. Donc ne restez pas à quelques centaines de mètres de la fusée lors d'un décollage, vous risquez de choper un cancer du poumon ou de je ne sais quoi. 5 cancers Voilà, vous allez avoir des cancers à du foison. pouce. Ne faites pas ça, les enfants. Faut vraiment pas. Même les photographes, généralement, ils s'approchent pas trop des protons et des fusées russes de manière générale, même les fusées chinoises, parce que Les bon, faut fusées tout savoir. court, hein. Ouais, les fusées tout court, hein, mais bon, c'est vrai qu'on peut voir quand même quelques photographes parfois qui sont assez proches de la fusée, mais de toute manière, il y a toujours une distance de sécurité obligatoire, hein. On va pas laisser des En photographes. général, ils ont des. Ouais. Ouais, ils ont des photos, en plus des En appareils général, c'est parce photos. qu'ils placent des caméras C'est ça, exactement. avant. Mais on peut voir de temps en temps
des photographes pas très très loin. Alors, il y en a qui s'incrustent de manière illégale, hein. Forcément, ça c'est le, le danger numéro un, de voir un mort à cause de, d'une pénétration illégale sur le site, hein. Je parle de site. Ouais, et puis après, sinon, il y a quelques photographes de temps en temps, mais ils sont quand même assez loin. Voilà. J'espère qu'on aura de belles photos quand même. Parce que la fusée Proton, c'est une très belle fusée. Je tiens à le dire. Ouais. Parce que les lancements de Proton, c'est toujours fort sympathique visuellement. Est-ce qu'on peut peut-être éventuellement montrer ce que ça donnerait le bras européen ? Alors, je ne sais pas s'ils vont nous le montrer. Mais peut-être que je peux vous essayer de vous le montrer. Donc c'est, je ne sais pas. Tu peux peut-être c'est comme un canadarme en fait, mais version européen. En plus petit. Voilà. Alors, on pourra télécommander européen. Plus petit, plus simple que le canadarme. Alors. Ici, j'ai... Oh, Terratak dans le chat. Yo, 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 yo. Salut Terratak. Bonsoir. Comment ça va ? Ouais, il l'affiche pas sur Google. Ouais, si, il y a quelques trucs quand même. C'est le bras ERA. E-R-A. Ouais, c'est ça, ok. Bras ERA. Bah, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je vais passer en capture. Déjà, je crois que quand ils ont installé Noka dans la coiffe, on pouvait bien le voir sur le côté. Donc voilà, ça ressemble à ça. Hein. C'est un bras qui va être installé sur Noka et qui dispose de moteurs assez puissants pour transporter des grosses charges utiles dans l'espace. Mais bon, c'est un bras quand même qui est plus petit que le Canadarm, mais il est plus récent. Beaucoup plus petit. Mais il est plus récent, enfin sauf le deuxième Canadarm, parce qu'il y en a eu un deuxième. Plus récent. Plus récent ? Oui. Ben, genre, la conception du bras européen, genre au niveau du plan, elle est super vieille. En fait, elle remonte à Hermès. Mais ce bras-là, ben, vu qu'il est resté sur Terre, en fait, depuis 2006, il est resté dans un placard, quoi. Donc, disons que sa durée de vie n'a pas été abîmée. Ouais, bah il est resté en salle blanche en mode tranquille ou biloute. Quoi. C'est ça. Oui, donc effectivement, il n'y a pas de grand risque pour lui. Moi, j'espère que les accéléromètres sont bien installés. Ah, il y a intérêt. Hein. Mais de toute façon, c'est le module pas de chance. Hein, donc s'il y a un échec, je serais presque pas étonné. Oui, alors, c'est vrai que là, avec tous les retards qu'a eu. Noka, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Hein. Faut savoir que depuis 2007, il doit être lancé. On n'a toujours pas vu le bout de son nez à partir d'aujourd'hui maintenant. C'était un lancement qui, moi, m'a un peu surpris. Je vous avoue que j'étais un peu pris de court quand j'ai vu que c'était aujourd'hui. Il n'y avait pas tant de communication là-dessus. J'ai vu ça sur Twitter ce matin et puis on me l'a annoncé aussi. Ouais, je faisais une vidéo aussi. Surtout que tu faisais des vidéos aussi. Voilà, je prépare une petite vidéo pour samedi prochain, samedi ou dimanche. Voilà, je tiens à vous le dire. Yep. Voilà, ça va être sur un crash. Voilà, on va parler de crash. Et de Virgin Galactic. Voilà, exactement. On peut voir sur les côtés du corps principal de Proton, ces sortes de gros tubes. On peut se dire que Proton a été fait un peu à la KSP, genre ils ont rajouté des boosters et tout sur les côtés. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les réservoirs sur les côtés, en fait, c'est les réservoirs de comburant. C'est-à-dire que c'est intégralement du comburant qui est à l'intérieur, du peroxyde d'azote. Et au centre, il y a du coup le carburant, le diméthylhydrazine. Le diméthylhydrazine. Donc là, vous voyez bien, en plus, on a un beau plan là-dessus. On voit bien que la charge utile, elle est bien installée dans la coiffe. Et là, du coup, comme ce qu'il parlait Yataka, effectivement, on a les sortes de boosters, enfin voilà, les sortes de réservoirs collés au tube central. Qui sont reliés au moteur, donc on a la partie carburant qui est du coup le gros tank, donc le gros réservoir, et les petits réservoirs sur le corps central sont les comburants. Attends, je me suis mélangé, comburant-carburant. Comburant. Comburant, voilà, comburant. Donc c'est bien ça. Comburant les petits et carburant le gros. Et ensuite, ils vont aller dans une turbopompe qui va injecter tout ça dans la chambre de combustion et faire décoller la fusée.
Donc vous remarquez Et on qu'il n'y a pas. espère droit. Oui, on l'espère droit quand même. Enfin, voilà, il ne faudrait pas que ça revienne dessus, sur la Terre. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de venting sur cette fusée. Hein, y en a jamais. Pour la simple et bonne raison que, comme vous a dit Yataka tout à l'heure, c'était que les ergols sont à température ambiante. C'est un des rares combos où ces ergols sont à température ambiante. Mais c'est du coup, en fait, le venting, c'est vraiment quand le carburant est vraiment froid. Et là, pas du tout, donc on n'a aucun venting. Tout à fait. Ça, je ne l'avais pas remarqué. Surtout que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'échec de proton, tout à fait. Et on n'a pas eu beaucoup de vols non plus depuis la pandémie de proton. Donc, On n'a pas wesh. eu non plus énormément de vols d'Ariane 5, je tiens à le dire aussi. Oui. Je pense qu'à peu près toutes les agences spatiales sont en mode PLS. En plus, l'Ariane 5 a des problèmes avec Ruag Space, qui est son fournisseur de Oui, pour leur coiffe. coiffe. Voilà, qui je Pas de tiens à fun les en ce moment. saluer. On leur fait des poutous, Des poutous. empoisonnés si possible. Bien sûr. Donc il fait On 24 est à degrés. Bon, ça a 14. l'air d'être plutôt clément. Moi, j'irais bien prendre un Un peu petit nuageux parasol. apparemment. Petit Petit parasol, petit parasol, là, transat. petit cocktail, petit transat devant Proton. Bon, tu perds ton audition après, Tu mais. perds ton audition, tu perds tes poumons, mais au moins t'as une belle vue. C'est ça. Il est extrêmement beau quand même cet homme. Hein. Je pense qu'on n'en Tiens à parle pas dire que assez. oui, il est plutôt bien rasé, il a une belle coupe de cheveux. Une coupe de cheveux à la Terre Attaque, peut-être. Je sais pas mec, j'ai Je jamais sais vu pas. Terre Attaque. Je sais pas, j'ai jamais vu Terre Attaque non plus. En fait mec, depuis le début, Terre Attaque c'est Jeff Bezos. Il nous prank. Ah ouais. Serait stylé. Théorie, hein. Théorie, je dis ça, je dis rien. Il me semble que Terre Attaque, t'as pas encore fait de webcam sur ta chaîne. J'en ai jamais vu sur Parce sa que. chaîne. Par contre, il faut savoir que le module Noka, du coup, dispose de moteurs hein, qui vont lui permettre, Ouais, si jamais, de se tout à détacher fait. de l'ISS pour faire une station russe et d'être autonome lui-même. Avec un peu de carbu. C'est très très peu probable que ça arrive, mais on Je... peut espérer, on peut On peut espérer. espérer, voilà. Mais en tout cas, Mais. c'était la base de Noka. Il faut savoir que Noka, à la base, ça devait aller sur l'ISS, puis ensuite désamarrer pour. La station spatiale russe, mais visiblement ce n'est plus dans les cartons de l'agence spatiale russe parce que bah manque de fonds, ils ont plus de Ouais, et thunes puis les surtout frères. la durée de vie restante de Nokia actuellement, c'est plus que moins de 6 ans, 5 ans, je crois. En 2026, c'est probable qu'il soit désorbité. Parce que bah il est resté quand même un moment dans les hangars, quoi. Il y a beaucoup de matériel qui est plutôt ancien sur ce module, malgré que ça lançait que maintenant, à cause des retards, justement, de problèmes techniques, manque de budget, tout ça. Plutôt sad. Nope, pas de webcam, et c'est difficile d'en faire et c'est difficile de faire sans. Effectivement, je ne vais pas dire. D'ailleurs, il devrait y avoir une nouvelle cuisine qui arrivera pour les cosmonautes avec Noka. Plutôt sympa. Ah, ça c'est cool, ils vont avoir un nouveau micro-ondes. Ils vont avoir un micro-ondes ProLine de Darty. Ils ont caché un petit peu de vodka dans le frigo avant le décollage. Ah, forcément. Alors, faudrait espérer quand même qu'il n'y ait pas de sabotage sur ce module, hein. Un petit trou dans la coque, un truc dans ce genre, ce serait chiant. C'est vrai qu'une fois, il y avait un coup de perceuse qui était parti à côté dans un Soyouz. Du coup, il y avait eu un petit trou. On espère que ça ne se reproduise pas. Hein. Ce serait dommage. Nous sommes à peu près 10 Sad. minutes avant le lancement. Donc là, les ergols normalement sont presque pleins. On a fait le plein, je crois même. Le plein est déjà fait. Ouais, le plein, il est fait avant le lancement. Ouais, c'est ça. Hein, D'ailleurs, pour c'est les protons, c'est différent. Ouais. Ouais, parce que de base, en fait, le proton a été conçu comme un missile intercontinental. Et c'est après qu'il a été fait en fusée. Ok. Ouais, donc oui. Forcément. Missile intercontinental, on doit réagir ultra vite, donc forcément. C'est ça. D'ailleurs, c'est aussi pour ça pour qu'il utilise de l'UDMH, parce que c'est des carburants que tu peux stocker facilement et tout. À mon avis, il ira jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à la fin de vie de l'ISS. Ouais, je pense aussi. Parce Bah, qu'il y c'est avait eu des probable. histoires qui auraient eu des problèmes de compatibilité pour aller sur une autre station.
ça aurait été pratiquement impossible, quoi. Après l'ISS, bon ben, j'espère que le projet de station spatiale lunaire va se réaliser. C'est en tout cas dans de bons rails, mais. D'ailleurs, les Russes aussi ont leur projet de station spatiale, pas lunaire, mais. Enfin, Oui. quoique avec leur Chine, avec la Chine, ils ont leur projet de station à la surface. Mais en orbite basse terrestre, ils veulent faire une station aussi. Du coup, Ça va on être peut se difficile demander, pour eux mais. avec leur économie, les pauvres. Ouais, surtout le Covid, tout ça. Mais je pense qu'ils peuvent le faire, hein, les amigos. On croise les doigts pour eux en tout cas. On croise les doigts. Mavaracha. Minutes du lancement, les Russes sont en délire dans le chat du live du Roscosmos. Première fois qu'ils voient un lancement de fusée. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Quoique, il y avait eu un progrès il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est Parce que vrai. par exemple, c'est un progrès qui va dédocker le module le Pierce qui occupe actuellement la place que prendra après Nauka. Et donc le progrès va être lui aussi désorbité, hein, faut. C'est ça. Il va être Ils vont désintégré dans brûler ensemble. l'atmosphère. Avec les déchets des astronautes. Miam. Miamé. Donc là, on peut voir des Boule d'astro. responsables de Roscosmos, probablement. Ouais, sûrement. Effectivement responsable du vol. En bas, on voit une image du module avant qu'il soit ajouté dans la coiffe. Donc on voit les petits bouts rouges, en fait, c'est les moteurs de contrôle du vaisseau, Les contrôle RCS. d'altitude, tout ça, les RSS. On peut aussi voir les panneaux solaires qui sont repliés, qui sont aussi présents sur l'écusson. Et normalement aussi, il y a des radiateurs qui seront déployés une fois dans l'espace pour gérer la température du module, de la station. Parce qu'il y aura beaucoup d'électronique qui fonctionnera à l'intérieur, beaucoup d'expériences scientifiques. Donc il faut refroidir tout ça, c'est pour ça qu'il amène des radiateurs supplémentaires. Et comme moi, ouais, en plus, c'est assez vétuste, hein, c'est des technologies qui sont depuis 10 ans, hein. longtemps. Ouais, voilà, Plus que 10 elles ont ans. 10 ans, 10-15 ans, donc ce n'est pas les dernières technologies. On n'est pas sur les mêmes méthodes de refroidissement que ce qu'on pourrait avoir maintenant avec les nouveaux ordinateurs, les nouvelles puces. Donc il C'est faut mieux russe, c'est fiable, refroidir j'ai tout envie de te ça. dire. Pardon? C'est russe, c'est fiable, j'ai envie de te dire. Ah, c'est russe, c'est fiable, oui, mais c'est rustique, hein, c'est russe. Bah déjà, à la gueule du module, tu t'aperçois quand même que, bon, c'est Vois le rustique, quoi. module, t'as peur. Oui. Moi, Vois, il est je. russe. Voilà, tu me présentes un module créé par SpaceX, tout est hyper bien fini. Moi, je fais, ah ouais, là, ils ont fait du bon boulot. Les Russes, j'ai fait, ah ouais, bah, Space. même en 10 ans de retard, ils ont toujours la même gueule. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget pour Eh changer oui, bah bien sûr. l'extérieur. D'ailleurs, je crois qu'il y a des parties qui n'ont même pas de revêtement thermique et de radiateur, parce qu'en fait, c'est des pièces détachées qui ne se produisent plus. Du coup, il manque des morceaux du module, en quelque sorte. En tout cas, le module est bien blindé, ça on en est sûr, ça au niveau Oui, blindage, il n'y a les pas de Russes n'ont pas à souci. avoir peur. Normalement, une station spatiale russe devrait arriver dans les années 2030. Alors, oui, devrait arriver, mais Sympa. De vrai. voilà, hein. On n'espère pas les mêmes retards que Nauka, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Nauka, en fait, c'est le SLS et James Webb réunis. Avec une gueule un Niveau peu. des retards. Avec une gueule des années 90. En tout cas, c'est peu probable qu'on. Enfin, moi je le dis, hein, mais c'est très peu probable qu'on va voler Ariane 5 avec James Webb cette année. Hein. Pour moi, ça me semble très compliqué. Avec les C'est vrai problèmes qu'il de y a quand même. règles. Ouais, déjà. Et puis il y a quoi? Il y a trois lancements d'Ariane 5 avant James Webb pour être sûr que la fusée marche. Enfin, que la fusée marche, bon. Alors, la fusée Voiture qui marche, mettrait bon, encore, quoi. C'est qu'elle normalement. marche, mais ils savent encore l'utiliser, entre guillemets. Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais ça explose au décollage ou quoi? Mec, guerre nucléaire, hein. Ah bah C'est la fin de l'humanité. y a plus Adios. d'Ariane, hein? Je peux te le dire, là le. Oui, No non more là c'est Ariane, fini. no more Europe, en fait. Ouais, bah Plus là d'Europe du tout. en plus faut savoir quand même que bon bah j'imagine que quand une charge utile est perdue, à mon avis, bon, il y a les assurances, mais. Mais là, Mais là pour c'est... James Webb avec un tel prix, je pense que.
C'est James Webb, les Amigos. Je pense qu'ils vont reconsidérer leur collaboration entre l'Europe et la NASA. Arrête, tu me fais stresser. On n'est même pas sur le lancement d'Ariane 5 que tu me fais déjà stresser, c'est abusé. Ah mec, Ariane 5 Proton, c'est des lanceurs comparables, hein, en termes Web. de capacité. Pas vraiment. Ben, en vrai, Proton a été surtout conçu pour l'orbite basse, c'est pour ça qu'il n'a pas tant de capacité vers l'orbite géostationnaire. Et Ariane 5, c'est l'inverse. Enfin, elle a quand même pas mal vers l'orbite basse, Ariane 5, mais moins que Proton. Mais beaucoup plus sur l'orbite GTO. GTO et puis le lancement interplanétaire aussi. Ils sont Oui, pas bons. aussi, tout à fait. Ouais, il faut Ouais, 3 faut. lancements de vérification avant le vol de James Webb. Bon. Ben, on espère, hein. Eh ben les frérots, ils vont se bouger hein, parce que sinon on va jamais voir décoller James Webb. Hein. Et l'assurance fait faillite. Je pense qu'il n'y a pas que l'assurance. Je pense que vraiment le CNES, l'ESA réunis font faillite tous ensemble. C'est la fin de l'Europe. C'est Vont la fin. faire Ah, appel à même la eux, Chine. là, les gars, ils vont faire wesh. Wesh, 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 canapèche. Wesh, wesh, canapèche. En tout cas, le patch il est très joli quand même. Faut savoir que Ouais, c'est ils très ont fait un joli. super patch. Bah, tu m'étonnes, en 10 ans, ils ont le temps de le bosser le patch. Hein. Il y a intérêt. Y a intérêt quand même. On est 4 minutes et quelques avant le Oh, petit lancement. Je vais détail. commencer déjà à m'en aller. Oula, d'accord, oui, les communications russes, c'est. C'est un petit plaisir. Oui, c'est. Après, Même leur équipement, ça ça fait me rend nostalgique de l'URSS. peur. Ah ouais, pas moi. Non, mec, l'URSS, c'était le feu. Ouais. Alors oui, j'ai bien aimé la course à l'espace, mais Ah, vu le mec, nombre de c'était morts, on éclaté. se serait bien passé de ça quand même. Ouais, mais ça, c'était la Seconde Guerre mondiale, ça, mec. Oui, et puis pas que la guerre froide aussi. Enfin, les guerres froides, ça n'a pas fait de mort côté Non, mais russe. enfin, ce que je veux dire, non, mais les accidents spatiaux, je te parle des accidents spatiaux. Ah, effectivement. Bah après, mec, si tu prends Challenger et Columbia. Ouais, non, mais oui, non, mais c'est sûr Ouais, bon. que. Après, la navette spatiale était quand même très très complexe. Moi, bon. Ouais, mais Quand je bon, vois la quand gueule, même. je me dis, bon, bah, après, les deux Raptor. accidents, ça m'étonne pas vraiment, quoi. Mais en vrai, c'était une vraie Lancement dans prouesse, hein. 3 C'était une vraie minutes. prouesse scientifique et ingénierique. Ouah, Proton, tellement stylé ce lanceur. Je chiale. Chiales. Bien 3 joué, minutes Pontiac, quand même. l'oxygène a déserté. Ouf. La boîte est à bord, Bruno. Bien joué. On adore les Alors, communications. on n'a pas fait russe LV2, donc on pourra pas traduire ce qu'ils disent. Oui. Je pars du principe que là, ils font le go. Je pense pas qu'il fasse le go là, à mon avis. À mon avis, ils se disent C'est où ils l'ont fait Michel, plutôt? tu Ouais, te oui, c'est prépares-moi bon. un verre de En fait, je vodka. regarde le chat et il y a des gens qui parlent anglais, une langue civilisée. Et c'est marqué Go Proton. Alors, tout le monde dit Go Proton. Je pense qu'on est bon. Paré pour le lancement. Sprah. Entre la Space Shuttle et Energia, je préfère largement Energia. Bah, tu vas arriver Ah plus gros oui, ici. totalement. Hein, Team Energia. Mais Energia, ouais, non, c'était. Moi, je trouvais ça très joli et puis drôlement en avance sur son temps, quand Mais bon, plus d'argent. façon, les Russes, dès À un qu'ils lancent moment. quelque chose, c'est. Ah, et non. No more moula. 1 minute 50 avant le lancement, j'espère que la qualité est au rendez-vous, j'espère que tout va bien. Ouais, mais la NASA, ils font pas de live en 1080p. Roscosmos, si. Pour moi, La NASA, ils j'étais sont seul au abonnés courant. au 720p, je sais pas ce qu'ils ont, mais C'est ils terrible. kiffent la 720. Lancement dans 1 minute 30. Bien sûr. On devrait avoir de belles animations. Je pense pas qu'on va avoir des belles caméras comme sur SpaceX, mais bon, c'est pas bien grave. Normalement, je pense qu'après l'allumage du second étage, on devrait passer en animation. Oui. D'ailleurs, second étage qui s'allume avant la séparation, ce qui est plutôt spécial pour utiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grilles, que c'est pas une jupe d'interétage comme pour la Falcon 9. La grille, elle sert à ce que les gaz partent dans le Ouais, vide les et gaz ne puissent soient pas s'échapper. concentrés dans la jupe.
histoire de ne pas exploser et décéder. Simplement. Je pense qu'on va couper nos micros parce qu'on est à une minute de lancement. Et on va profiter. Donc on va vous faire profiter du lancement. Je vais remonter le son. Je pense à bien y mettre le son. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit. Faites-vous griller des saucisses sous les moteurs. Non, vous allez voir le portier. Très belle communication russe. Il n'y a plus de compte à rebours. Oh! J'étais surpris aussi. Magnifique ce lanceur. Alors ce serait mieux sans les paroles russes, mais bon, on va faire avec. Bon bah en tout cas lanceur supersonique. Voilà. Lanceur super pour une seconde, c'est bon. 6 km d'altitude. On a la traînée ça, donc. Ça. La condensation dans l'atmosphère. Cette distance, on voit plus que la lumière du moteur, on voit à peine la flamme. Ouais. 20 km d'altitude. Il faut savoir que la fusée doit s'incliner hein, pour arriver à faire une orbite. Ouais. Sinon, on va dans l'espace, mais on n'y reste pas, on retombe. Donc elle va s'incliner à 51 degrés par rapport au plan de l'éclipse. Soit l'équateur, soit l'écliptique, mais il me semble que c'est l'écliptique. En tout cas, elle met du temps quand même à aller dans l'espace. Hein, elle met du temps. C'est un peu moins rapide que la Léopard, mais vu le gabarit. Alors on a la séparation, donc l'allumage du second étage a été fait. Le premier étage va s'écraser à 200 et quelques kilomètres plus loin. On a plus d'image, donc on va passer sur des animations. Donc donc là on a 4 moteurs. 2 ou 4 moteurs Je crois 4. Si je dis pas de bêtises. Ouais, alors voilà, on a 4 tuyères, mais ça peut être 2 moteurs. Oui, surtout avec les Russes. Hein. Tu peux avoir 4 tuyères, mais ça peut aussi être un moteur. Tu peux en avoir 8, mais ça peut être un seul moteur. Ouais, donc voilà. Les moteurs russes. En tout cas, on devrait bientôt avoir la séparation de la coiffe, donc pas tout de suite, mais d'ici quelques secondes maintenant, je pense. Bah, une fois qu'on sera en dehors de l'atmosphère, hein, je présume. Ouais, normalement, ouais, dans les haut, alentours, ouais, dans les alentours des 80 à 120 km, ils vont se séparer de la coiffe. Ouais. 80, c'est assez haut quand même. En tout cas, de très très belles animations, les frérots, ils ont fait du très bon boulot. Hein. Gear Blender. Hein. Donc la coiffe elle sert à protéger donc de l'atmosphère, donc des vibrations, de la chaleur due au frottement de l'air.
Et elle va se faire séparer par des charges explosives, donc des boulons explosifs. Une fois une certaine altitude, parce que c'est du poids qui n'est pas nécessaire. Voilà. Je vais peut-être vous apprendre un truc, c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'air. Du coup, pas de friction et tout. Ouais, là, ils vont l'enlever vraiment visiblement plus loin que les 5 km. Ils sont dans l'espace, là, actuellement. Ouais. Là, c'est, ils ont dépassé la ligne de Kármán, ligne officielle. Pour les Américains, bien sûr. Là, je comprends le russe et je tiens à vous dire qu'ils disent ouais tout. Alors quand est-ce qu'ils vont se séparer de cette coiffe? Terata qui nous apporte une réponse 3 RD120 et 1 RD211. RD210, pardon. Perdu, moi, avec ces moteurs en russe, il y en a trop là. C'est vrai que les Américains, il n'y a pas beaucoup. Donc, on est à 120 km, il n'y a toujours pas eu de séparation de coiffe, c'est assez surprenant. Mais bon, pourquoi pas? Pas forcément, en vrai. Il y a encore un tout petit peu d'air à cette altitude. Ouais, toujours un petit peu, mais c'est tellement faible. Normalement, c'est lâché assez rapidement quand même, vers les 80. Dans les 20, 80, bien dans sûr, les 80 on peut s'autoriser à la lâcher. Parce qu'il peut aussi avoir des raisons peut-être de sécurité. Ah bien sûr, par exemple, si les moteurs sont trop puissants, on va pas la séparer maintenant. Ouais, je pense que ça doit être ça, les moteurs sont trop puissants. Donc là, on va à mon avis se séparer de la coiffe très vite. On a la, donc il y a eu la séparation. Ouais, il y a eu la séparation. Voilà, c'est ça. Donc, séparation des coiffes. Séparation de la coiffe. Donc ouais, ça doit être ça, les moteurs qui propulsaient du coup le second étage étaient trop puissants à mon avis, et si on se libérait de la coiffe tout de suite, ça risquait de rentrer en contact avec la charge utile, ce qui est totalement débile. C'est pas dingue, évitez si possible. Donc on peut voir qu'en plus du moteur principal, il y a des moteurs vernis en fait, qui vont permettre de contrôler en fait l'étage, puisque le moteur principal lui-même ne peut pas bouger. Les moteurs verniers, ce sont des petits moteurs qui vont permettre de d'incliner. Très bonne réflexion. Donc on peut voir sur la droite, là, normalement, sur les données télémétriques, les données en bleu qui doivent probablement être les données cibles. Donc ce qu'ils veulent atteindre, donc une vitesse de 27 160 km/h à 196 km d'altitude. Là, visiblement, la trajectoire a l'air d'être normale. C'est ce que vient de dire le centre d'opération. Ça a l'air normal. C'est le seul mot que je comprends, normal. C'est vrai. C'est le seul mot que je comprends. RAS. Ouais, c'est un très très long lancement hein. Généralement on peut avoir des lancements 5-6 minutes avec par exemple SpaceX, ils font des mises en orbite assez rapides. Là on a 3 étages qui ont des fonctionnements différents, ça peut durer plus longtemps. Les Ariane, je sais que ça dure très longtemps aussi. Après, surtout que SpaceX, il se passe plein de trucs en même temps, tu vois, t'as le premier étage qui a atterri, il y a la séparation de la coiffe, bim bam boum, ça fait picher, ça fait vroom. Alors que là, tout est en ordre, tu vois. Là, oui, c'est très séquencé, c'est très clac, clac, clac. Donc, on rappelle, hein, c'est un module qui va rejoindre la Station Spatiale Internationale. Ouais, qui va se docker sous le module Zvezda. Un laboratoire russe. Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va se docker, mon très cher Yataka?
Alors d'abord, je dois avoir des tests en orbite, mais d'ici, je crois, un maximum de 10 jours, si je me rappelle bien, le temps que le module Pierre se soit docké, qu'on soit sûr que tout se passe bien, il pourrait avoir rejoint la station. Ensuite, même une fois docké, il y aura une période où les cosmonautes et les astronautes ne pourront pas y accéder. Question de sécurité. Afin de vérifier que l'air soit bon, que tout soit bon. Ouais. Et pas potentiellement aussi de gaz nocif à l'intérieur. Ou de débris. Donc là, on est à 195 km d'altitude. On devrait très prochainement voir les moteurs se couper. 196 bientôt. Ok, donc là, les À moteurs quelques Vernier secondes. appliquent. Donc le moteur principal s'est coupé. Les moteurs Vernier appliquent les derniers correctifs afin d'être ultra précis. Et c'est bon. Donc là, on a la sé oh, séparation du deuxième étage. Enfin, du troisième étage. Qui du coup va se Eh ben. désorbiter. Et donc il y a un quatrième étage au-dessus qui va permettre de finaliser les manœuvres et tout. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'officiellement il est en orbite? Je pense que oui. C'est bon. Il est en Comme ça, orbite. voilà. Donc ça y est, nous. Étonnamment, une réussite. Waouh! Ça a l'air d'être une réussite. Bravo les Russes! GG! Bon bah bravo les mecs. Oh, super. Formidable. Ces deux personnes sont extrêmement séduisantes. Rien que pour eux, j'ai envie d'aller en Russie là. Là maintenant. Le 29 nous dit TerraTac, donc ouais, dans 8 jours, ça Ouais, devrait c'est se ça, 8 lancer. jours. Enfin, ça devrait se lancer. Ça devrait Ça devrait se démarrer. docker. Enfin, si tout se passe bien. Si tout se Parce passe que bien. aussi, il y a une possibilité, vu que le module Pierce est sur la station depuis un long moment, c'est pas impossible qu'il rechigne un petit peu à se dédocker. Et si c'est le cas, ça va être un petit peu embêtant. Ça risque d'être un peu embêtant, effectivement. Au pire, on va faire avec un petit bâton TNT et puis boum, on le fait péter, et comme ça sera. Voilà. Hop, Tu comme fais dans. ça à côté de l'un des objets le plus cher du monde. Let's go les Voilà, boys. comme dans Seul sur Mars, hein. On fait tout péter, pam! Vous avez bien dit une bombe? Voilà, la petite référence à ce film culte. Bon, Bien bah, sûr. messieurs, dames, en tout cas, ce fut un plaisir de faire ce Mais petit si vous live. avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant Ouais. ou jamais, j'ai envie de vous dire. Et C'était un navré à live ceux qui totalement arrivent improvisé, maintenant. hein, je tiens à vous le dire. Yetaka m'a appelé tout à l'heure en mode Totalement. Bon, est-ce qu'on se fait un live ou non? Et j'ai fait allez, viens, on en fait un. Totalement improvisé. Ouais, ce matin, tu n'étais pas au courant de l'existence de ce module. Effectivement. Sympa. Oui, non, il était tombé tellement profondément dans l'abysse que je n'en avais jamais entendu Après, parler. quand même, récemment, il y avait eu pas mal de news, hein. Ouais, non, mais moi j'ai pas suivi le j'ai pas suivi cette actu, j'étais pas du tout au courant qu'il Sur tes existait, donc vidéos. voilà. En tout cas, parfait pour ce lancement, un lancement très bien maîtrisé de bout en bout pour Roscosmos, qui prouve encore une fois que Proton, sa fusée, est particulièrement fiable. Particulièrement sexy aussi. Sexy aussi, Voilà, sexy pas assez. raffiné. Du coup, je vous dis à tous bonne soirée. Merci déjà Si vous avez aimé le cul, voilà pourquoi pas pour les vous 500 abonner, hein, abonnés. si jamais les vidéos vous intéressent. De Parce qu'en quoi? plus, tu as sorti une vidéo, Ouais, j'ai t'as sorti sorti une une vidéo vidéo fort récemment sympa il n'y a pas longtemps. sur du coup comment ça fonctionne un peu le spatial. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails pour éviter de perdre tout le monde, mais C'était j'aurais pu surtout faire en un peu fait autour du plus. lancement. Voilà, à propos du lancement, je pense j'avais prévu deux épisodes, j'en ai peut-être un troisième qui pourrait sortir éventuellement. À voir. Ce sera en fonction des statistiques, mais ça part très très bien. Donc en tout cas, merci beaucoup pour les 500 abonnés. Merci pour tout le monde là d'avoir suivi ce live. Merci pour les likes. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci Yataka pour ta présence et puis Mais il n'y a pas de quoi, mec. pour Il n'y a toutes pas de ces quoi. petites explications. Ce fut Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, fort pas sympathique. bien dans le chat. Voilà, donc Yataka sur YouTube, bien sûr. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Et puis moi, je Bonne vous dis soirée, bonne. à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Osmose Cosmo. Fin de transmission. Ciao, ciao. Salut Yataka? les Ciao, ciao. cosmos. Voilà. Salut les Cosmos.